Après, on irait, je crois qu'on doit agrandir le lit. Hein. Est-ce qu'il y a de l'orage? Oui. Oui. Yes. Oui. Plus de piles. Pour ceux qui ont raté, vous avez la recette de la baguette sur la télé. Un chou. Ouais, un paratonnerre, un. Ouais, ça a déjà tapé, ouais, incroyable. J'ai un chou rouge. Emily nous offre, qu'est-ce que c'est? Une machine à coudre. Du pâté en croûte. Mais... Il y a une fête, il y a une fête demain matin. Oh non. Ouais. Et... Attendez, machine à coudre. La machine à coudre, on la met où? Dans l'établissement des vaches et des moutons? Oui. Oui, oui, il y en a déjà une en place. Tu peux la mettre à côté. C'est une machine à coudre, ça? Non, 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 ça c'est un métier à tisser, c'est pas une machine à coudre. Ah mince. Moi, c'est une machine à coudre que j'ai. Bon, mets-la à côté. Bah, je la mets là. Oh, trop bien! On peut faire un cosplay. La mise où, la truc? Attends, je vois pas. Bon, alors maintenant, les garçons, j'ai une ligne pour vous. Oui. Devinez quel est mon deuxième prénom. À toi ou en jeu? À moi. Oh, tu me l'avais dit, mais je m'en souviens plus. C'est un prénom qu'on prononce beaucoup en ce moment. Covid? Emily. Qu'est-ce que t'as dit, Yaki? Emily. Ouais. J'ai gagné un coup. C'est mon deuxième prénom. Mes parents ont hésité à m'appeler Emily. D'accord. Incroyable. Si on va dans les devinettes, alors est-ce que vous avez vous aussi des deuxième et deuxième prénoms, deuxième et troisième prénoms, Yaki et Imra? Malheureusement, oui. Malheureusement, oui. D'accord. Moi, mon deuxième prénom se trouve en jeu aussi. Ah. C'est intéressant, ça. Et Robert? Non, non. C'est celui qui tient l'épicerie. Non, généralement, c'est le troisième où on donne un nom de la famille, tu vois. Ouais. Ah non, non. Mon deuxième. Le troisième, on s'en fout. Ah, moi, c'est le troisième. Moi, le troisième, c'est arrière-grand-mère ou grand-mère. Moi, j'ai mes deux grands-parents. Moi, j'ai pris gratuitement, ouais, mes deux grands-parents. La joie minante. Waouh. On sent que ça jupille, littéralement. Hein. Ah, mais sans cet enfer. Je sens que t'es ravi, ouais. Est-ce que Nino t'a acheté un lapin ou pas? Pas encore, je vais y aller. D'accord. Je suis en train de couper le bois là. Choisissez le poulailler pour lapin. Le poulailler pour lapin? Oui, c'est comment on l'appelle le lapin? Ah oui, faut trouver les noms des lapins. Fatafouin. Allez, Fatafouin. Hein? Il y en a un qui s'appelle non. Bugs et l'autre qui s'appelle Bunny. Et voilà. Ok, Bugs et Bunny, je valide. Bugs et Bunny? Ouais, bah là, quand j'écris Bugs, on dirait que c'est un bug internet. Ouais, il y en a un qui s'appelle Pan et l'autre qui s'appelle Pan, du coup ça fait Pan Pan. Alors, achetez des animaux, lapin. Trop tard, je l'ai. Hein? Je l'ai là. En train de le faire. Je l'ai. C'est parce que j'étais devant, c'est pour ça. Oh, c'est trop bon, le jeu. Je suis la seule. Salut. Mais t'es où Ah, là, si, ici. T'es là. Ah, tu viens d'apparaître. Bonjour. Bonjour. Tu les as appelés comment, du coup? J'en ai pris... En croûte. On aurait dû faire ça. Non, j'en ai pris qu'un, je l'ai appelé Bugs. Ouais. Du coup, vous en voulez un deuxième? Prends le deuxième. D'accord. Comme ça, ils vont grandir. Ouais, allons-y. Bah, on est riche. T'as vu l'argent qu'on a? Je veux mourir. On a 60 000, qu'est-ce que... Ça va. Y'a pas de... Ouais, arrête de me... Oui, mais y'a pas de pomme de pain. Oh. Mais si, y'en a. Et pardon. Puis on me parle meilleur parce que, hein, mince. Ouais. Oh, c'est honteux, hein. Allez, vous avez... Est-ce que les lapins mangent du foin comme les autres ou pas? Bah oui. D'accord. Vrai, ils mangent pas de foin. Alors, il y a Arc-en-Ciel qui dit « Mon deuxième prénom aurait dû être mon premier prénom si j'avais eu un autre nom de famille. » Non, mais celui-là, on le connaît, donc quand même. Mon deuxième prénom aurait dû être mon premier prénom. Ah, moi, je sais très bien ce que c'est, hein. Je ne sais pas. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la muraille de Chine? Quelle muraille de Chine? Non, non, c'est juste que je suis passé par un autre côté que d'habitude, c'est pour ça. Bonjour Lapinou! Petit cœur. Il est où l'autre? Il est là-bas. Bonjour Lapinou! Petit cœur. Voilà. Pour ça, je vais ramasser les œufs. La maillot. Non, je vais pas manger l'œuf, non, je vais ramasser la maillot. C'est quoi ça? La maillot. D'accord.
C'est vous la poule. Maillot, les poules, la maillot, les poules. Ouais, c'est vrai, je sais pas si je suis passé voir les animaux aujourd'hui. Tac, 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 ça c'est bon, ça c'est bon. Ah oui, ça faut que je le pose. Pardon, les poules, excusez-moi, je passe. D'accord. Je ne savais pas. D'accord, d'accord. J'ai dit que ça allait où déjà? Le goudron de pin, les choses, par exemple, tout ce qui est sirop d'érable, goudron de pin, on les met dans la serre, c'est ça, hein? Alors, ouais, dans la serre, on a un coffre où c'est tout ce qui est artisanat. Ah oui, c'est... Ok, j'ai... Ah, faut arroser la serre. Ah, je l'ai pas fait. Je suis dessus, je suis jamais. Allez. Tu sais que du coup, ouais, dans la serre, il faudra aussi prévoir des arroseurs. Ah bon? Oui, t'inquiète, c'est prévu. Oui. D'accord, et j'ai ramassé des cactus au passage. Tu peux aussi automatiser ta serre, en fait. C'est prévu. C'est quoi? J'ai un truc à ramasser là, j'ose pas. De quoi? Je sais pas. C'est une patate. Pomme de terre, en effet. Je suis pas doué à l'arrosage. Ok. Il y a tout. Alors ça, c'est à faucher ou à ramasser? Je vais m'en occuper. Bon, alors je ne touche pas, non, celui-là. Ouais. Alors non, c'est pas là. Je rentre, je vais m'en occuper. Cactus, c'est ici. Patates, je les mets là aussi. Ah, j'ai pas jeté ça tout à l'heure. On va le jeter là. Ça, on peut le mettre là. Ça aussi. Il y avait pas un événement aujourd'hui? Non, c'est demain à midi, je crois. C'est quoi l'événement? La danse hawaïenne à la plage. La nullité hawaïenne. C'est comme la pizza. Le truc immonde. Pour ou contre l'ananas dans la pizza? Contre. Ah. Ah oui, c'est demain. Ouais. Ça en plus, je l'ai pas trouvé. Oh là, il y a des contres avec un majuscule et plein de points d'exclamation dans le chat. Ok, ok, d'accord, pas d'ananas dans la pizza. D'accord, d'accord, d'accord. Ne vous battez pas. Baston. On va faire un sondage et il va y avoir 100% contre. Bon, oui, vive la démocratie. Moi, le tout petit lapin. Et du coup, ces histoires de pattes de lapin, c'est vraiment... C'est comme si c'était des œufs, c'est comme... Je t'avoue, ça doit être comme les truffes, j'imagine. Ouais. Mais je sais pas du tout. Parce que s'il faut tuer le lapin... J'ai pas regardé encore. Alors attends. Il se ronge la pâte et tu fais dingue. Oh. Lapin. Ah bah tiens, il y a le retour du monsieur là, qu'est-ce qu'il veut? Alors... Un lapin ne peut pas se reproduire. Bon. Si vous écoutez attentivement, vous pouvez entendre le lapin faire un léger reniflement lorsqu'il est caressé. D'accord. Alors, le lapin adulte produit de la laine tous les 4 jours. De la laine de lapin? Ouais. Vous n'êtes pas obligé de tondre les lapins pour obtenir de la laine, ils la feront tomber par eux-mêmes. Ok. D'accord, c'est glauque. Au fil du temps, comme l'amitié augmente avec le fermier, il pourra produire une pâte de lapin à la place de la laine. D'accord. Un bébé lapin devient adulte au 6e matin après avoir été acheté. Ok, ça sera rapide. Et puis voilà. Et le prix max de vente d'un lapin, c'est 10 400 PO. D'accord. D'ailleurs, je vais regarder, on se demandait le cochon. T'es bon dans le cochon? Non. Alors, tirelire à max de cœur, elle se vendra 20 000 PO.
quand même moche, tu t'es super pote avec tes... À moins que ce soit 20 000 PO max, attends, je vais voir combien ça il y a. Ça va, Jake, ou... Je crois, non, mais je sais pas, j'ai cliqué, juste cliqué, j'ai vu la loupe, j'ai cliqué. Actuellement, Gurki, par exemple, il vaut 13 000, donc il peut monter jusqu'à 20 000. Genre, t'es super pote avec des gens, et puis d'un coup... Non, j'ai vérifié, je me dis, eh hey, mince, et en fait, non, c'est bon, ça va. Non, mais je veux dire pour les cochons. Hein ? T'es super pote avec tes animaux, et d'un coup, allez, je te revends, tu me fais beaucoup l'argent. Exactement. C'est hyper moche. Mais rentable. Mais hyper moche. Mais rentable. Mais hyper moche. Mais rentable. C'est une question d'argent. Non, non, non. Ça fonctionne si je fais ça. Je reviens là. Ah oui, c'est resté. Mais oui, il me rend, on n'entend plus. C'est vrai ça. Je suis en train de miner dans la mine pour tomber niveau 25. D'accord. C'est ce que je n'arrive pas. Ah mince. Parce que je trouve pas de puits et je tombe que sur des échelles et en plus ça a plein de méchants. Désolé. C'est mieux que quand il était avant quand même ou pas? Oui, tu t'en sors mieux ou pas? Ah oui, non, niveau survie, il y a pas photo. Hein. Oh, mais encore vivant. Cool. C'est déjà ça, hein. C'est ça, hein, mais clairement. Là, je suis niveau... 2. 14. Chaussette. Tu es niveau chaussette ? Alors, par contre, Imra commence à revenir. Oui, t'inquiète, j'ai un totem de TV. D'accord. Oui, puis de toute façon, faut... c'est le soir de l'orage, donc faut attendre. Les géodes, on peut les ouvrir nous-mêmes ou pas ? Oui, oui, on a la machine. Dans la salle de stock. Donc c'est là-dedans, je suppose, non? Non. Par contre, il faut un charbon pour faire fonctionner la machine. Ah, ça doit être là, d'accord. Alors juste, tous les stuff qu'on a en trop, genre on doit avoir 7 ou 8, voire plus, épées en os, on peut pas les vendre? Non. Ah, on peut pas revendre en fait, on peut que les détruire malheureusement. Donc j'ai déjà fait un gros tri. Ah, c'est dommage ça. Ouais. Après si ça se recycle, ouais, ça peut être une bonne chose, mais ça m'étonne. Mmh. Je crois pas. Mmh. Ça se tente, hein, mais je pense pas. C'est pénible. Et l'argile, vous la mettez où déjà? Je verrai après. Il est minuit. Non, c'est minuit. Je me dépêche. Faut que je reprenne un totem pour la prochaine fois, mais je vais essayer d'avancer. Nino, tu... 30 minutes, hein. Ouais. Nino, faut aller au lit, là. Je suis large. Regardez, il est que 40. Tu vois bien. Bah... Ah, attends, le lit a fait j'ai peur. J'ai eu peur aussi. D'habitude, c'est moi qui me rate, hein. Ah, d'abord, je le ferai à 40. Je peux fabriquer un kit de cuisson. Ah, c'est intéressant, ça. Et un totem de pluie. Un totem de pluie? Ça fait quoi? Je sais pas, je verrai demain.
Dans le prochain épisode, le totem de pluie. Pardon. Cliffhanger.